Good morning, Alidan et Chusra aujourd'hui, la Lunishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucienne Batraina, Solvanish, la Bet Taram. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, contactez cette minute éternelle. Nous étions à Sechet Nazir, Perek Bet Mishnachet. Et Pila Ishto, Einon Nazir, Rabbi Shimon Omer, Yomar, Imaya Ben Kayama, Are Ani Nazir, Chova, Imlav, Are Ani Nazir, Nedava, Chazra Veyalda, Are Ize Nazir, Rabbi Shimon Omer. Yomar, im arishon ben kayama, arishon chova vezo nedava. Im lav arishon nedava vezo chova. Mishnah qui continue la situation de la Mishnah précédente avec les complications, bien évidemment. Quelqu'un qui prend sur lui. On avait dit 23 ans qu'il attend d'avoir le petit garçon, il attend d'avoir un enfant, et il a fait le vœu. Le jour où mon enfant naît, je serai nazir. Je prends sûrement une nazirou de devenir lorsque l'enfant il va naître. Comme ça, il a dit l'ami. Ce qui se passe, c'est que, bon, dans toutes les Mishnayot, vous imaginez bien, tant qu'on ne pense pas aux problèmes, on veut faire plein de choses. Dès que ça se complique, on se demande est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on a dit. En l'occurrence, Mishnah précédente, on a parlé du cas où il a eu une fille à la place du garçon, un androgène à la place du garçon. Maintenant, dans notre Mishnah, ça va devenir avec une nouvelle situation, c'est qu'en fait, la pauvre, à l'hôpital, à peine l'enfant né qui meurt tout de suite. La question a été quoi maintenant? Il a eu un garçon qui est né ou il n'a pas eu de garçon qui est né? Là, ça va se compliquer et je vais d'abord vous expliquer le principe à l'oral. Parce que c'est à l'intérieur de la Mishnah. Dès que vous aurez compris le principe, ça ira très vite dans la Mishnah. Mais si on commence à traduire, ça ne va pas aller cette fois-ci. Chachamim, il me dit, selon Tanakama, il y a, peut-être je pose d'abord la généralité. Il y a une machloket générale dans les Nedarim et dans les Nedarim et dans la Nezirut aussi. Est-ce que Machit Inish Lesfeka? Rabbi Yehuda, il pense que l'homme achitinish nafshel esfeka. Rabbi Yehuda, il pense qu'un homme ne se rentre pas dans le pétrin. Il veut pas, il prend pas des choses qui vont lui compliquer la vie, qui vont le faire entrer dans des doutes, qui vont lui compliquer la vie, de manière générale. En l'occurrence, si j'exprimais ça par rapport à l'interdit de à la Nezirut elle-même, alors il va penser que Rabbi Yehuda, il va me dire comme ça, il va me dire, le Tanakama, ça va selon Rabbi Yehuda en fait, il va me dire, écoute-moi. Lorsque tu prends sur toi un vœu de Nezirut, tu conditionnes ta Nezirut dans un événement. Si l'événement il va se produire de manière 100%, alors tu es nazir. Mais si ce n'est pas sûr que l'événement va se concrétiser, alors c'est sûr que ton intention, ce n'était pas de rester dans le doute, parce que ça fait que Nezirut, c'est une zut atomique, et on en reparlera longuement dans les prochains prakim. Par rapport au Korbanot, pour s'en sortir, c'est très 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 compliqué. Il va falloir considérer des tas de Sfekot. Donc quelqu'un que il fait de la psychologie, Rabbi Yehuda, il me dit, écoute-moi, c'est sûr que dans le fort intérieur d'une personne, au moment où tu prononces un vœu de Nezirut, c'est à condition que ce soit du net 100%. Parce que si jamais tu as dit une phrase qui va te rentrer dans une situation compliquée, c'est sûr que ton intention initiale n'était pas d'entrer dans le Safek. Parce que tu auras trop de mal à t'en sortir, c'est sûr que ce n'était pas ton intention. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, et qui est donc Tanakama de notre Mishnah. La Mishnah, maintenant, elle est coupée en deux, je ne sais pas si vous avez fait attention quand on l'a lu. Il y a la première partie, « Et puis là, Ishto, Eno Nazir », et je saute ce qu'il a dit Rabbi Shimon pour arriver à la deuxième phrase, « Chazra Veyalda, Areize Nazir ». D'accord? C'est la suite. Soit, il a pris sur lui et dit, « Lorsque ma femme accouche, je serai Nazir ». Il va à l'hôpital, après 24 ans, donc ça fait déjà 23 ans qu'il a fait le Nazirut, ça a pris 9 mois. Il va recevoir maintenant le petit bébé, et le pauvre, au moment où il naît, il meurt. On ne sait pas est-ce qu'il était viable ou pas, parce que c'est sûr que quand il a dit que quand j'aurai un garçon, c'est un garçon viable. Maintenant, pourquoi il est mort? Peut-être qu'il est mort quand il est né, il était parfait, mais qu'une seconde après, il a eu un coup de vent, un microbe, qui l'a tué ensuite, donc c'est un enfant viable en théorie. Donc la condition s'est concrétisée, mais tu ne le sais pas. Rabbi Yehuda, il va me dire, écoute-moi, dans le doute, c'est sûr que tu n'as pas voulu prendre sur toi une Nezirut en Safek. Donc le premier qui est né, il va pas le rendre nazir. Et si après, Baruch HaShem, une fois qu'il a bien pleuré, qu'il a fait plus de tefillot, pour l'année suivante, 25 ans après le mariage, il va enfin avoir le vrai enfant, et bien là, il sera nazir. Ouais, je relis la phrase, la première phrase, après je saute Rabbi Shimon et j'arrive à la suite, c'est la suite de l'histoire. Et puis là, Ishto, sa femme, elle a fait une fausse couche. Pas qu'elle a fait une fausse couche, dans le sens où le bébé, il est né mort, mais plutôt c'est qu'il est mort après la naissance.
Et bien dans ce cas-là, Eno Nazir, il ne sera pas Nazir. Et je saute la phrase donc, de Rabbi Shimon et je continue. Chazra Veyalda a réalisé Nazir. Si sa femme finalement va retomber enceinte et re-accoucher cette fois-ci avec un petit garçon viable parfaitement, dans ce cas-là, a réalisé Nazir, c'est sûr qu'il sera Nazir pour la deuxième, pour finalement après la deuxième naissance, parce que ça y est, la condition s'est remplie, il a pris sur lui de devenir Nazir. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, on va expliquer Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, ça va être un peu plus compliqué, pour deux raisons. D'abord, Rabbi Shimon, il me dit, écoute-moi. Il dit une chose simple, en soi-même. Il va me dire, écoute-moi. Quand tu prends sur toi d'avoir quelqu'un qui a pris sur lui, lorsqu'il aura un enfant, un garçon, alors c'est sûr, s'il va avoir un bout de chair mort qui va naître, c'était pas un garçon. Mais s'il a eu un garçon qui est né normalement, et qu'après il est mort, peut-être que concrètement, il est mort par une cause extérieure. Dans ce cas-là, peut-être qu'il a eu un enfant viable qui est né et qui est mort après pour une cause externe. Dans ce cas-là, il doit remplir. C'est-à-dire que la condition a été remplie et il doit prendre son Nazirut. Mais peut-être que l'enfant qui va naître, qui est né et qui est mort tout de suite après, peut-être qu'il est mort parce qu'il avait un problème de malformation cardiaque ou je ne sais pas quoi, et que c'était prévu depuis la naissance qu'il allait mourir dans les quelques heures. Et c'est ce qui s'est concrètement réalisé. Et dans ce cas-là, la condition de « si j'aurai un garçon » n'a pas été remplie. Donc on a un doute maintenant, on ne sait pas pourquoi cet enfant il est mort. On ne fait pas des autopsies, je ne sais même pas si ça aide. Et on ne peut pas savoir pourquoi il est mort. Est-ce qu'il est mort parce qu'il était un problème de malformation, donc l'enfant n'est toujours pas né? Ou est-ce qu'il est mort parce qu'il y a eu un incident externe qui s'est passé ensuite, qu'il a tué le petit? Et donc, dans ce cas-là, il faut prendre sur le Nazirut. Ça fait que j'ai un premier, ça fait que lorsque l'enfant va naître, est-ce que tu es Nazir ou est-ce que tu n'es pas Nazir? Premièrement. Suite à ça, maintenant, après, un an après, la femme va accoucher, sa femme va accoucher un vrai enfant viable. J'ai un nouveau Safek maintenant. Quel est mon Safek? Si le premier, c'est un enfant qui n'était pas viable, maintenant cet enfant, c'est l'enfant viable. Mais si le premier, c'était un enfant viable, donc, tu as déjà ton devoir de Nazirut depuis la dernière fois. Là, maintenant, tu n'as plus le devoir de Nazirut. Et toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, il va falloir prendre une Nazirut Misafek. Mais alors là, d'accord? Ça, pour le moment, c'est la partie simple de Rabbi Shimon. Vous avez compris le principe. On ne sait pas est-ce que l'enfant était réellement un enfant viable qui a eu un accident ou un enfant qui n'était pas viable. Donc, on a un doute après la première naissance. Et forcément, ça va impliquer un doute dans la deuxième naissance qui sera Nazirut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un Safek Nazirut? Parce que là, c'est compliqué comme je ne sais pas quoi. Dans la mesure où le Nazir, il est imposé d'apporter... On aura l'occasion de rallonger longuement. Juste, je vous jette l'idée pour vous illustrer la complexité de la scène. Le Nazir, il doit apporter des corbanotes. Le Nazir, il doit premièrement apporter des corbanotes et se raser la tête. Lorsqu'il arrive, il a fini sa Nazirut, il apporte trois corbanotes, entre autres notamment un shlamim, et il doit se raser ses cheveux après 30 jours et les faire brûler sous le chaudron où il va faire cuire le corban. D'accord? Maintenant, si toutefois le Nazir il est devenu impur, alors là, c'est la galère, il devra apporter d'autres corbanotes. Il devra d'abord se purifier, et ensuite partir au Beth Amikdash, apporter des séries de corbanotes de Nazir ou de Touma, ouais, et se raser là-bas la tête pour ensuite redémarrer un rituel de Nazirut normal. Et comme ce qu'on le verra longuement, c'est compliqué pour s'en sortir de cette situation. Parce que si tu es dans le doute, il faut bien comprendre la problématique. On n'a pas le droit de se raser les cheveux. Le Nazir, il doit se raser les cheveux à zéro. Mais nous, on n'a pas le droit de se raser les cheveux avec un rasoir. Nous, on n'a pas le droit de se raser les cheveux, on n'a pas le droit de se raser à zéro au niveau des péotes. On n'a pas le droit de se raser à zéro au niveau de la barbe. Ouais, avec un vrai rasoir. Il y a des interdits de l'otachritou péadze zekanechem. Donc on n'a pas le droit de se raser. Donc maintenant, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir s'en sortir? C'est une complexité atomique. Alors, Rabbi Shimon, lui, il a une solution très simple pour contourner la problématique. C'est que lorsque le premier enfant va naître, et que tu es encore pur, et il n'y a aucun problème, tu dis, écoute-moi, je ne sais pas est-ce que cet enfant, c'est un enfant viable. Mais s'il était viable, bah, je suis Nazir, comme ce que j'ai prévu. S'il n'était pas viable, donc je ne suis pas Nazir, mais je suis dans un Safek Nazir, ce que je vais faire, c'est que je prends sur moi une Nazirut. De toute façon, Nazirut Nedava, ça s'appelle, que je prends sur moi de devenir une
un nouveau vœu de nazir. Si toutefois, moi j'ai fait un vœu que lorsque j'aurai un garçon, je serai nazir. Finalement, j'ai une fille, je peux devenir nazir aussi, non? Eh ben, je pense sur moi maintenant de devenir nazir. J'ai eu maintenant un enfant qui n'était pas viable, qui est né comme ça, qui n'était pas viable. Ben, je prends sur moi qu'au cas où c'était un enfant pas viable, eh ben, je prends sur moi de devenir malgré tout nazir. Et dans ce cas-là, tu as réussi à fuir le problème de manière très propre. Quand on arrivera vers la fin de la Maseret, je ne sais plus à quel périxé, on en parlera longuement, vous comprendrez l'utilité de ça, encore plus largement. Ça vous permet, ça évite des problèmes de folie, de prendre sur soi la Nézirut Misafek. Donc en fait, il va devenir maintenant. Il vient. Il a l'enfant qui est né, doute, est-ce que c'est le moment d'accomplir son vœu de Nézirut? Et il dit, eh ben, si c'est pas le moment de l'accomplir, je prends sur moi de toute façon de prendre sur moi une Nézirut, premièrement. Et après, lorsque sa femme accouchera une deuxième fois un garçon, eh ben, il dira maintenant, écoute, de deux choses l'une. Soit le premier n'était pas viable, et là c'est l'enfant viable, donc c'est le moment d'accomplir ma Nézirut. Mais peut-être que l'enfant, le premier, il était viable, et donc je me suis déjà, j'ai plus d'obligation de devenir nazir. Maintenant, pour fuir le doute, je prends sur moi de devenir de nouveau nazir. Il sera donc deux fois nazir. Vous avez compris le principe? On fait tout ça dans les mots. Et puis là, Ishto, sa femme, elle a un enfant qui, une fois qu'il est né, il est mort. Il est mort né. Mort à la naissance, d'accord? Et on ne sait pas, est-ce que c'est parce qu'il était mal formé ou est-ce parce qu'il était bien formé qu'il a eu un incident externe qui s'est passé le produit ensuite. Dans ce cas-là, la première vie de la Mishnah me dit, et non nazir, il n'est pas nazir. Parce qu'il a fait un vœu de devenir un vrai nazir. Pour une vraie situation. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Shimon, oh, mais Rabbi Shimon dit non, pas du tout. Il a un doute. Donc, Yomar, il devra dire Imaya ben Kayama, si l'enfant qui est né et qui est mort, il était en réalité un enfant viable, mais qui a eu ensuite un incident, c'est pour ça qu'il est mort. Dans ce cas-là, donc, Areni Nazir Chova, c'est le moment d'accomplir mon devoir de Nazirut. Je suis donc Nazir comme ce que j'avais prédit de le faire. Veim Lav, mais si toutefois c'est l'enfant, il n'était pas viable, eh bien, dans ce cas-là, Areni Nazir Nidava, je prends sur moi de toute façon de faire un don d'une nouvelle Nézirut supplémentaire, de devenir Nazir. Et comme ça, il contournera les problèmes des Sfekot pour le Nézirut. Chazra Ve'Yaldama, dans la situation se continue. Ensuite, après un an après, sa femme accouche un deuxième enfant. Dans ce cas-là, Arei Ze Nazir, selon le premier avis de la Mishnah, il continue, il dit cette fois-ci, le premier n'était pas Nazir. Maintenant, c'est le moment de devenir Nazir et d'accomplir ton vœu. Rabbi Shimon, Omer Rabbi Shimon nous dit non, pas du tout, parce que peut-être que le premier il était viable et donc tu as déjà accompli ton vœu. Il faudra dire, Yomar, il devra dire, Imari Shon Ben Kayama, si le premier c'était un enfant viable, donc Arishon Chova, Vezu Nedava. Alors le premier c'était un vrai nazir, et puis là maintenant je prends sur moi de devenir de toute façon nazir une deuxième fois. Ve Imlav, mais si le premier il n'était pas viable, alors dans ce cas-là, Arishon Nedava, la première maison que j'ai prise. Enfin, finalement, une maison que je n'étais pas obligé de le faire. Donc, c'était une Nedava. Et puis maintenant, Vezu, Chova, maintenant, j'accomplis mon devoir de Nézirut, de que maintenant j'ai eu enfin mon enfant viable qui est né. Donc, j'accomplis maintenant mon vœu de Nézirut, de Chova. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.